Il a toujours si bien su ce que je devais faire que me voici, sans lui, comme un inutile joujou mécanique dont on a perdu la clé. Comment saurais-je à présent où est le bien et le mal Pauvre, pauvre petit Annie égoïste et faible, je me lamente sur moi en pensant à lui. Je l'ai supplié de ne pas partir, en peu de paroles, car son affection, toujours retenue, craint les expansions vives. « Cet héritage, ce n'est peut-être pas grand-chose. Nous avons assez d'argent et si chercher bien loin une fortune peu certaine. Alain, si vous chargiez quelqu'un... » L'étonnement de ses sourcils a coupé ma phrase maladroite. Mais j'ai repris courage. « Eh bien alors, Alain, emmenez-moi. » Son sourire plein de pitié ne m'a pas laissé d'espoir. « Vous emmenez ma pauvre enfant Délicate comme vous l'êtes et, et si mauvaise voyageuse, soit dit sans vous blesser. Vous voyez-vous supportant la traversée jusqu'à Buenos Aires Mais songez à votre santé, songez, c'est un argument qui vous touchera, je le sais, songez à l'embarras que vous pourriez mettre. J'ai abaissé mes paupières, ce qui est ma façon de rentrer chez moi. Et j'ai maudit silencieusement mon oncle chevary tête brûlée qui disparut il y a quinze ans sans donner de nouvelles. Le déplaisant toqué qui s'avise de mourir riche dans des pays qu'on ne connaît pas et de nous laisser quoi Des estancias où on enlève des taureaux Des taureaux qui se vendent jusqu'à six mille piastres à Je ne me rappelle même pas combien cela fait en francs. La journée de son départ n'est pas encore finie, que me voici écrivant en cachette dans ma chambre sur le beau cahier qu'il m'a donné pour que j'y tinse mon journal de son voyage et relisant l'emploi du temps que m'a laissé sa ferme sollicitude. Juin. Visite chez Madame Mix, Madame Z et Madame T, important. Une seule visite à Renaud et Claudine, ménage réellement trop fantaisiste pour une jeune femme dont le mari voyage au loin. Faire payer la facture du tapissier pour les grandes bergères du salon et le licané. Ne pas marchander, car le tapissier fournit nos amis G, on pourrait clabauder. Commander les costumes d'été d'Annie. Pas trop de genre tailleur, des robes claires et simples. Que ma chère Annie ne s'entête pas à croire que le rouge ou l'orange vif lui éclaircissent le teint. Vérifie les livres des domestiques chaque samedi matin. Que Jules n'oublie pas de dépendre la verdure de mon fumoir et qu'il la roule sous poivre et tabac. C'est un assez bon garçon, mais mou, et il fera son service avec négligence si Annie n'y veille elle-même. Annie sortira à pied dans les avenues et ne lira pas trop de fadaises, pas trop de romans naturalistes ou autres. Prévenir à l'urbaine que nous donnons congé le 1er juillet. Prendre la Victoria à la journée pendant les cinq jours qui précéderont le départ pour Ariège. Ma chère Annie me fera beaucoup de plaisir en consultant souvent ma sœur Marthe et en sortant souvent avec elle. Marthe a un grand bon sens et même du sens pratique sous des dehors un peu libres. Il a songé à tout. Et je n'ai pas même une minute la honte de mon de mon incapacité. Inertie serait peut-être plus juste ou passivité. La vigilance active d'Alain absorbe tout. Et m'ôte le moindre souci matériel. J'ai voulu, la première année de notre mariage, secouer ma silencieuse oisiveté de petite pays chaud. Elle a eu tout fait de rabattre mon beau zèle. Laissez, laissez, Annie, c'est fait, je m'en suis occupée. Mais non, Annie, vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée. Je ne sais rien qu'obéir. Il m'a appris cela, et je m'en acquitte comme de la seule tâche de mon existence avec assiduité, avec joie. Mon cou flexible, mes bras pendants, ma taille un peu trop mince et qui plie, jusqu'à mes paupières qui tombent facilement et disent oui, jusqu'à mon teint de petite esclave me prédestinait à obéir. Alain me nomme souvent ainsi, petite esclave, ou il dit cela sans méchanceté, bien sûr, avec seulement un léger mépris pour ma race brune. Il est si blanc. Oui, cher emploi du temps qui me guidait encore en son absence et jusqu'à sa première lettre, oui, oui, je donnerai congé à l'urbaine, je surveillerai Jules, je vérifierai les livres des domestiques, je ferai mes visites et je verrai souvent Marc.